Une chose était plus qu'évidente ce matin à Carlire, centre d'entraînement du FCL. C'est la bonne humeur et la décontraction affichée par le groupe Lorienté. Des sourires et du plaisir. Et 15 jours sans compétition qui ont ménagé les organismes, mais n'ont pas fait oublier la position actuelle des Merlus, 19e après 8 journées de championnat. Alors la réception du voisin nantais, 16e, aura plus qu'une saveur de derby. C'est un petit plus, c'est un petit piment supplémentaire par rapport à certains autres matchs. Après, ça reste un match de football aussi. Il faut pas, c'est pas un derby type Paris-Marseille. Voilà, ça reste un derby plutôt dans de la bonne humeur. Et voilà, je sais que ce week-end, nos supporters seront présents. Il y aura beaucoup de Nantais aussi. Donc voilà, j'espère qu'on va offrir un beau spectacle avec une victoire à la clé. Trois points supplémentaires qui feraient vraiment du bien au Lorienté, qui pour l'instant reste sur 4 matchs pleins, sans efficacité pourtant sur le classement, ce qui annonce une rencontre avec un gros enjeu pour les deux équipes. Il y a des points à prendre tous les week-ends et forcément quand on prend un départ comme le nôtre, il y a urgence à tous les matchs de capitaliser au niveau des points. Maintenant c'est vrai qu'on voilà, deux équipes qui ont vécu un départ difficile, parce que Nantes n'a pas eu le départ non plus qu'il souhaitait, donc voilà, ce sera un match forcément très engagé avec deux équipes qui auront envie de l'emporter. Autre bonne nouvelle, l'infirmerie se vide, même si Jérémy Aliadière est légèrement touché. Sylvain Marvaux revient tout doucement dans l'effectif. Une des composantes de la victoire sera évidemment dans le soutien du public. Les Nantais devraient se déplacer en nombre ce week-end.